Ah, je suis vraiment désolée. Il y avait tellement de monde au cinéma que je n'ai pas pu sortir à l'heure. Tu es allée voir quoi de si intéressant? Le dernier film documentaire de Jean Rouge, Les Maîtres Fous. Tu connais? Non, pas celui-là, mais Jean Rouge, je le connais très bien. Mais tu vas voir du documentaire, toi, maintenant. Je croyais que tu n'aimais pas ça. Oui, celui-là était génial. Il nous plonge au cœur d'une civilisation africaine, plus particulièrement d'une secte appelée les Aoka. Le film est vraiment bien tourné. On a l'impression d'y être. Ça a l'air très intéressant. As-tu remarqué des détails typiques chez Jean Rouge? Le son et la vidéo alliés en direct, c'est le premier à avoir fait ça. Sa voix off aussi qui nous raconte l'action, elle nous suit tout au long de l'histoire et sa manière de filmer, il suit les personnages à la vitesse réelle. Il y a aussi des plans successifs, des montages cuts. Un montage cut, j'ai déjà entendu ça, c'est bien un passage direct d'un plan à un autre sans effet de liaison? Oui, c'est ça. Le cadrage aussi chez Jean Rouge est très important. Il a les gros plans, les plans fixes, les visions plus ou moins rapprochées des personnages filmés. C'est donc pour cela qu'on se croirait réellement chez les Aoka. Oui, c'est vraiment un réalisateur plein de technique et de talent. C'est ça un vrai documentaire. Le son en direct. Les techniques de réalisation. Les connaissances du réalisateur. Allez, le prochain Jean Rouge, on va le voir ensemble. Un film documentaire, c'est pas un film de fiction, c'est un film d'une durée variable où on apprend quelque chose, sujet par exemple scientifique. Voilà, pour moi c'est ça un documentaire. Raconter un événement, une histoire, enfin quelque chose qui existe de réel, pas forcément une fantaisie. C'est un film qui apporte des informations sur un thème en faisant intervenir aussi différentes personnes autour du thème pour compléter les informations. C'est un film qui m'ouvre sur le monde, sur la nature, sur... disons que c'est un film pour me faire découvrir des choses que je ne connais pas. Une sorte d'exposé qui relate un thème qui est précis. Un film qui nous amène dans un endroit et qui restitue une réalité qu'on n'a pas forcément côtoyée et qu'on peut comme ça appréhender grâce à l'œil du caméraman et au choix qu'il fait, des images qu'il va nous apporter. Ce qui est un peu réel, ce qui c'est pas comme un dessin animé, c'est oui, historique, quoi. C'est un film qui énonce des faits de façon objective, donc c'est-à-dire que celui qui commente, a priori, n'a pas trop de... Il ne doit pas impliquer son avis et puis il doit énoncer des faits, enfin sur un thème. À l'origine de l'invention du cinéma, je crois que le premier documentaire, c'était l'arrivée du train en gare de La Ciotat, des Frères Lumière. Voilà. Donc ça serait un peu se filmer le réel par rapport à la fiction où tout est joué à la manière théâtrale. Un film documentaire est l'œuvre d'un auteur. Il ne faut pas le confondre avec un reportage. C'est une réalisation intemporelle.
qui nous apporte des informations sur un thème précis. Au final, c'est une création comme l'œuvre de Wim Wenders, Pina. On découvre Pina Bausch, une chorégraphe allemande qui a marqué la danse contemporaine. Une femme qui a marqué les esprits, surtout celui de ses danseurs qui lui rendent hommage dans ce documentaire. Un documentaire entrecoupé de témoignages et de danses tirés de son dernier spectacle. Ce documentaire nous transporte dans l'univers de Pina. Il nous permet de comprendre sa vision avec l'ensemble du Tanztheater Wuppertal. On découvre alors Wim Wenders qui fait de ce documentaire une œuvre esthétique extraordinaire. Vaste question. Je dirais les chats dans Paris. Grand itinéraire. Oui, mais pas que les chats. C'est une histoire en train de se faire. Des élections présidentielles de 2002, à la guerre en Irak. Mais aussi les différentes manifestations, comme la réforme des retraites ou le conflit intermittent. Eh ben, c'est Chris Marker. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quelqu'un qui était engagé politiquement. Ah oui, il est né en 1921. Oui, il a été résistant pendant la guerre et après il a été journaliste. Il a fait aussi des poésies, il a écrit, il est globetrotter, il est protéiforme quoi. Oui, mais et sa technique ? Sa technique paraît très brouillée aux yeux du spectateur, alors qu'en fait il est très travaillé. Ah oui, je vois. Par exemple, il fait référence au cinéma muet avec ses panneaux. Comment ça ? Comme les chats ? Oui, ceux-là. Mais il y a aussi les techniques numériques. Oui. Je sais que ce sont des associations d'idées, comme les images d'archives, les films actuels, ou encore d'amateurs. Par exemple, la balade de Paris. Ah oui, je vois. Donc en fait, l'écriture et le montage sont très travaillés. Effectivement. La réponse est peut-être dans le générique de fin. Ce film est dédié à Monsieur Chat et à tous ceux qui, comme lui, créent une nouvelle culture. Une nouvelle culture ? Oui, le street art, le flash mob ou même les messages. Le street art comme les chats jaunes qu'on voit dans les rues ? Oui, en fait, c'est l'art de rue. Par exemple, Chris Marker, lui, il a repris le chat comme fil conducteur pour son documentaire. Mais c'est pas Chris Marker qui a créé les chats jaunes ? Non, c'est Thomas Wild, c'est un artiste franco-suisse, issu du street art, qui a peint les chats jaunes orangés dans toute la ville de Paris. Partout dans la ville ? On peut dire qu'il rend hommage à l'art. Oui, c'est plutôt un message positif, ludique, de confiance, où l'art pense les plaies de la société. Penser comme pansement ? Oui, comme pansement, enfin bref. Résumons. Chris Marker n'est pas un réalisateur comme les autres, et Chat Perché n'est pas un documentaire comme les autres non plus. L'originalité se concentre sur le montage, le choc des images. Par exemple, l'accélération, ou au contraire, le ralentissement. C'est en fait le rythme de la vie, quelque chose qui nous fait palpiter. Miaou !
vous plaît. Messieurs, excusez-moi. Je peux vous aider ? Excusez-moi, je peux tout vous expliquer. Ces messieurs sont deux Inuits venus à Dole pour une conférence sur le pôle Nord. Et pourquoi sont-ils à la médiathèque alors ? Tiaga, Nanook, Nanook. Oh, ils sont venus chercher le film de référence Nanook Eskimo de Flaherty, un cinéaste et explorateur. Ah oui, je l'ai vu dans les rayons, mais je ne sais plus exactement de quoi il parle. Ils adorent ce film. Ils racontent leur vie quotidienne, mais c'est plus que ça, car Flaherty n'utilise pas la caméra pour seul matériel d'enregistrement. Il raconte une histoire sur des personnages réels dans des lieux réels. Si lui importe. Flaherty leur a expliqué comment utiliser la caméra et le matériel pour qu'ils puissent devenir leur propre équipe technique. On peut donc dire que il n'a pas fait le film sur Nanook, mais avec Nanook. Ils disent que ce film est très important car c'est grâce à lui que les Esquimaux ont été connus du monde. Oui, les Esquimaux ne sont pas que des glaces. Mais figurez-vous qu'il y a un lien, car c'est grâce au succès de ce film que les glaces vendues au cinéma se sont appelées les Esquimaux. Décidément, le documentaire est un genre bien complexe, mais très ouvert. Et pour vous, qu'est-ce qu'un documentaire ?